Alors, pour vous inviter à corriger un exercice qu'on avait oublié de corriger. Alors, c'est très bien parce que comme ça va réactiver la notion. C'était la question des dialogues. Et voici donc la consigne. Je vous invite à faire très attention à cette consigne. Il fallait rétablir les retours à la ligne dans un texte de façon à distinguer les répliques des personnages. Et on s'était bien mis d'accord sur une chose, c'est que vous deviez utiliser les tirets et non pas les guillemets. Les tirets, ça nous simplifiera la vie dans un premier temps. Donc il fallait bien sûr repérer les répliques qui sont là. C'était le point important. Il fallait ensuite formater les paragraphes, mais ça, on va y revenir après. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est attirer votre attention sur certains détails que vous avez pu éventuellement rater. La première chose qu'il fallait bien repérer, c'était ça. À partir du moment où un personnage dit quelque chose, il y a deux points. Certains élèves sont allés à la ligne de manière un peu systématique en ajoutant des tirets à chaque fois. Surtout pas, le tiret nous signale que le personnage parle. Et s'il y a un deuxième tiret, c'est qu'il y a un deuxième personnage qui parle. Ici, c'est le cas. Et c'est tout. Si un personnage ne parle pas et que c'est le narrateur qui intervient comme ici, surtout, on ne met pas le tiret. Là, c'est la même chose ici, un peu plus bas. Là, c'est le narrateur qui parle, donc on ne met pas les tirets. Et puis, vous avez ces petits indices qui sont quand même bien pratiques, ici. Hein. Quand il y a les deux points, bah, vous savez que vous devez aller à la ligne. Donc, globalement, vous avez tous réussi. Sauf un passage qui est un petit peu plus difficile, c'est la fin que je vais afficher ici. C'est au moment où le père refuse de payer les 50 francs qu'on lui demande, alors qu'il a déjà commencé à emballer l'armoire, mettre des cordes par-dessus, et le brocanteur, c'est cette réplique ici, se met presque en colère. Je vais vous lire cette réplique. Ah, maintenant, c'est plus possible, s'écria le brocanteur. Il est 11 h juste. Vous êtes tombé dans ce coup-là. Vous n'avez plus le droit d'en sortir. D'ailleurs, je reconnais que vous avez pas eu de chance de venir aujourd'hui. Mais quoi? Chacun son destin. Vous êtes jeune et frais, vous êtes droit comme un i, et vous avez deux yeux superbes. Tant qu'il y aura des bossus et des bornes, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. C'est 50 francs. Vous voyez qu'ici, il insiste. Et certains d'entre vous ont cru, dans le passage que je vais indiquer, ici. Mais quoi? À chacun son destin. Certains ont cru que c'était une réponse du père. Alors qu'en réalité, il est en train de se plaindre de son destin. Lui, il a un destin malheureux, alors que le père, d'après lui, hein, d'après le brocanteur, au contraire, lui est en pleine forme, il a des yeux superbes, il pourrait bien l'aider un petit peu, lui, malheureux brocanteur, à faire ses affaires. Voilà. Et il y a une autre difficulté que vous avez eue, c'est que le père, du coup, ici, demande à son fils de détacher la corde. Petit, détache les cordes. C'est-à-dire qu'il demande à son fils de renoncer à emporter le colis. Donc voilà, c'était les principales difficultés. Pour le reste, vous avez plutôt bien réussi dans l'ensemble. Il y a quelques élèves qui, attention, ont tout de même confondu les guillemets. Les tirets, ils mettent un tiret à chaque fois qu'ils vont à la ligne. Donc ça, c'est l'erreur là, à éviter. Voilà, j'espère que cette petite correction vous aide. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est passer à la correction de vos propres textes. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Alors voici un exemple d'une copie sur laquelle je suis intervenu à l'intérieur de Classroom. Donc il vous suffit normalement de retourner dans votre copie. Et vous verrez que j'ai pu faire des suggestions. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous les voyez apparaître ici, à droite du texte. Si je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités. Quand il y a ici un petit trait suivi, une coche suivie d'une croix, ça veut dire que j'ai le choix entre accepter la notation, accepter la correction proposée par le prof ou la refuser. Alors, évidemment, bah, je ne vais pas vous demander de refuser. Si je clique à l'endroit du texte où elle a été faite, vous allez voir, comme ici, qu'elle se rapproche de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Ici, par exemple, j'en ai fait une autre, et c'est celle-ci. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez accepter la notation, il suffit de accepter la suggestion, il suffit de cliquer sur l'idée que vous êtes d'accord
et ça rectifie immédiatement ce que je viens de faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire dans vos textes, c'est-à-dire vous allez devoir reprendre votre copie et la corriger. Je n'ai pas corrigé intégralement tout le monde parce qu'il y en a qui ont beaucoup de travail à faire. Alors comme vous avez le modèle, vous allez pouvoir le refaire et me rendre ce travail à nouveau. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop long. Et je vous souhaite un bon début de semaine confiné. Allez, à bientôt.